Salut à tous, c'est Macradan, on se retrouve pour un nouvel épisode de Custom Skyblock. Donc la dernière fois je vous ai quitté dans une petite expédition dans le Nether. Donc aujourd'hui j'y retourne, sauf que cette fois j'ai pris à manger. J'ai un peu plus d'équipement. Et mon but ça va être de trouver si possible une forteresse. Et donc la dernière fois j'ai placé cette table de craft et j'ai mis dans ce coffre en fait ce que j'ai déjà récupéré. Donc s'il y a un gaz qui tire dessus, ça va être perdu, mais au moins ça m'évite de me trimballer avec pour ma petite exploration du Nether. Parce que voilà pourquoi. L'épisode commence bien. Et donc nous voilà, bienvenue, c'est Macradan, bienvenue dans ce nouvel épisode de Skyblock. Bon du coup, je vais me refaire du stuff. Je vais peut-être pas retourner dans le Nether sur cet épisode, je vais peut-être essayer de me concentrer sur quelque chose d'autre. Quelque chose me dit que c'est pas le jour où c'est que je dois aller m'aventurer dans l'endroit où c'est qu'il y a de la lave. Est-ce que je pourrais faire des choses concernant les potions peut-être? Non, j'ai besoin de Nether Wart. Et puis la Nether Wart, je pense que je peux pas la fabriquer. Non. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je vais peut-être chercher un modèle pour automatiser un petit peu ces plantations. Celle-ci aussi. Donc je vous retrouve tout de suite, le temps d'avoir trouvé un modèle qui me demande pas des tonnes de ressources. A tout de suite. Je vous retrouve, j'ai pas encore trouvé mon modèle, par contre j'étais en train de chercher avec le gel ouvert, il y a un squelette qui a essayé de me tirer dessus. Donc il y en a deux qu'on voit là-haut qui ont l'air d'être avec du matos enchanté et tout. Donc ça me fait penser en fait que je vais peut-être essayer de faire aussi. Pas forcément maintenant, mais peut-être dans l'épisode suivant, c'est de faire un accès en fait pour retourner là-haut et puis une petite salle où c'est que je pourrais attirer et tuer manuellement en fait les mobs qu'il y a là. Donc ça pourrait être, ce sera peut-être l'épisode suivant. Ça, tout dépend si je trouve un modèle de ferme automatique faisable pour cet épisode. Donc je continue mes recherches et je vous retrouve après. Là, on se retrouve, j'ai trouvé des petits modèles, faut juste que je vérifie, parce que je vais avoir besoin d'observeurs normalement. Donc qu'est-ce qu'il me faut pour les observeurs? De la redstone et du quartz. Donc il me faut un observeur par canne à sucre, donc 4. Un cinquième pour le melon, un sixième pour la pastèque. Donc je vais noter sur un bout de papier. Donc 6 observeurs. Donc ça fait 12 redstone, 6 nether quartz, 36 cobblestone. Je vais aussi avoir besoin donc, de fil de redstone, donc il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Il me faut un répéteur. Enfin, même deux répéteurs. Donc, 12 de redstone en plus, 4 torches. Et 6 stone. Et enfin, il me faut des pistons. C'est surtout ça qui va être un peu plus pénible. Il me faut 6 pistons. Donc 6 de fer, 6 lingots. Et pour l'instant, je me fais de nouveau canarder. Toi, tu perds rien pour attendre, hein.
Alors, pour les lingots, c'était de mémoire. Des briques et des nuggets. Donc, les briques, j'en ai plus assez. Il me faut que je fabrique des briques. Il me faut que je fabrique des nuggets. Donc, avec du charbon et de la bonne mille. Les briques, j'en ai 3. Le charbon, j'en ai 6. Bonne mille. Plus. J'ai besoin d'une pioche. C'est là qu'on voit que c'est quand même pratique, c'est la joie, parce que j'ai perdu tout mon stuff avant, mais au final c'était principalement du stuff acheté que j'avais. Donc là je peux vite me réobtenir une nouvelle pioche. Donc j'ai besoin de 6 lingots, donc 12 nuggets. Donc j'ai pas assez encore de coal, je vais devoir en fabriquer en plus. Donc c'est bien de la cobble, ça et ça. Fabriquer déjà ce que je peux. Et donc le coal se fabrique en faisant cuire des flint. Donc 6 flint. Je vais en faire 2 de plus. Voilà, pendant que ça cuit, je vais continuer de collecter. Vu que je vais avoir besoin de 36 cobble plus 6 stone. Un peu long hein, cette étape. Après c'est le skyblock qui veut ça aussi. Et donc là ce que je vais faire, c'est que, enfin ce que j'ai prévu, c'est automatiser donc mes 4 plants de canne à sucre de manière automatique, ainsi que les deux, enfin celui de pastèque et celui de melon, enfin de citrouille pardon. Donc là, ils vont être éjectés en fait. Il faudra que je les ramasse encore manuellement parce que j'ai pas les moyens pour l'instant de faire des hoppers. Et voilà. Et même 51. Alors ici, c'est bon. Donc. On a dit qu'il me fallait ça, ça et ça. Ça me fait des nuggets. Ça m'en fait même plus que prévu. Ah oui, je dis, j'en avais plus. Et donc les ingots. Que je fasse encore 4 tonnes de briques, ce serait pas mal. Plus pas extrêmement compliqué. Je peux en faire, je vais faire un seul, ça suffira normalement. Je pose ça là, je casse. J'ai mes trucs, je vais en faire un deuxième pour économiser le charbon.
vérifier qu'il n'y ait personne qui est spawné à Mrosk. Qu'il ne soit pas bienvenu. Ah, il y a un bébé zombie. Il y aurait le tuer après. Ou un zombie normal, peut-être. Ou un squelette. Donc là, j'ai bien fait avant de tout mettre de côté. Hein. Je vais en profiter pour tout rapatrier. Quand je serai de nouveau prêt, je retournerai dans le nether, mais avec le but de faire une vraie exploration. Mais ce sera pour plus tard. Alors du coup, je vais mettre dans ce coffre ici, même si ça n'a rien à voir avec les villageois. C'est un peu pour séparer les sources des objets. Je me ferai surtout les potions de résistance au feu. Ce sera... Enfin, il faudra que je trouve la netherwart avant, mais... Alors... Ingot. Je sais que je pourrais... Je connais la recette par cœur maintenant, mais... C'est plus rapide comme ça. Et voilà. Alors, du bois en plus. Pour mes pistons. Ah, il me faut de la redstone d'abord. Comment faire de la redstone? Avec du rouge, rose red et de la gunpowder. Rose red j'en ai ici, donc je peux en faire qu'un seul de piston. Enfin qu'un seul de redstone. Ah, c'est un zombie. Et voilà. Je vais pas aller très loin avec ça, mais il y avait lui qui pouvait m'en échanger. Voilà, un peu plus de matière. Alors, je récapitule, les lingots c'est bon, la redstone il me fallait 30 de redstone, donc c'est pas encore assez, plus 4 torches de redstone. Voilà mes torches de redstone, par contre là il faut que je refasse un peu, ça c'est bon. Cobblestone, il m'en faut 36. Je vais mettre ici ce qui est prêt. Quartz, il m'en faut 6, donc ça c'est bon, j'ai ce qu'il faut ici. La stone, il m'en faut 6, j'ai 5 de cobblestone, donc on va faire cuir ce qu'il faut. Je vais en faire cuire 2 de plus, de nouveau, optimisation. J'ai pas. Faut que je refasse du charcoal bientôt, mais. Et je vais dormir pour éviter les fantômes. Donc là, si je fais un petit peu... Un peu de fil que je vais transformer en émeraude, je devrais pouvoir... Normalement faire... acheter ma redstone qui me manque. Donc je pense qu'entre cet épisode et le suivant, je ferai sûrement en caméra pas mal de farms pour réobtenir des émeraudes et donc du stuff.
on va. J'en avais plus, non. La bonne mille, c'est jamais vraiment perdu. Hein. Ici, j'achète. On va pas donner des nouveaux trades, lui, non. Rien de nouveau. J'achète ça. Là, je peux le remettre ici. Je crois que je refasse un tri de mon inventaire. Bon, dans le temps, je peux déjà prendre ce chestplate. Ainsi que ça, ça. Ça, ma hache. J'avais bien fait de laisser tout ça à l'abri avant. Alors, j'ai besoin de 18 plus 12, donc c'est bon, j'ai assez de redstone. Je peux commencer normalement mes observeurs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, les pistons. Qu'est-ce qui me manque? Ah, j'ai pas prévu, j'ai oublié de noter la cobblestone que j'ai besoin pour les pistons. Donc il me faut 6 pistons. 24 de cobblestone. Non, il y en a 4 par. Non, c'est juste. Juste la durée de l'épisode, ça va encore, ça a été mouvementé, mais ah, et là c'est le son qui signale que j'ai reçu un mail. Alors piston. J'ai mes 6 pistons, il me faut répéteur, il m'en faut 2, et le reste normalement c'est juste, il me faut encore 1, 2, ça c'est pour une sucre de canne, non, même un peu plus je crois. Je vérifie sur mon image, j'ai fait une capture d'écran bien sûr. Non, il en faut 2 par sucre de canne, donc 2, décidément, 3, 4, et ensuite pour les melons et pastèques, il m'en faut 4, 1, 2, 3, 4, et de nouveau 4. Voilà, normalement j'ai tout ce qu'il faut, je vais pouvoir passer à la construction et pendant ce temps on voit que ça a bien poussé ici, très bien. Alors on peut tout casser. Je vais chercher un seau pour garder l'eau à proximité. Je vais commencer par la partie pour les
pour les cannes à sucre, où est-ce que je vais les mettre? Je vais étendre cette zone de nouveau. Ou étendre celle-là, plutôt. J'ai plus beaucoup de bois. Il faudra que je m'en remette bientôt à la collecte massive de bois. C'est vrai que là, pour l'instant, j'ai un peu... Je me suis reposé un peu sur mes lauriers. J'ai un peu arrêté de replanter et tout ça. Alors, 1, 2, 3. C'est extrêmement dangereux ce que je fais. Si je lâche la touche avec une fausse manipulation, je perds tout ce que je viens de collecter. Croire que ma chute dans la lave avant m'a pas suffi. Voilà. Ah, j'aurais besoin de... Ouais, je préfère avec Didal le reste. Alors, on va voir le sable qui va être ici. Je vais le mettre à partir d'ici. Ensuite, la canne à sucre sera sur le sable, forcément. Ici, je mets juste une dalle, c'est pour pouvoir commencer à placer mes objets. Donc j'ai ça, 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 ça. Au-dessus, j'ai mes pistons. Ici, j'ai quelque chose de ce genre-là. Et enfin, les observeurs, il faut pas que je me trompe de sens. Je crois que c'est comme ça. Oui. Voilà. Et maintenant que c'est fait, je peux mettre ceci de cette manière. Donc maintenant, il faut que je fasse un bassin. Je vais le commencer depuis ici. L'eau va aller... Enfin, je vais l'arrêter pour l'instant. Par la suite, je mettrai peut-être un récolteur, mais pour l'instant, c'est pas le plus urgent. L'eau ici. La canne à sucre, on la replante. Et là, ce qui se passe, c'est que si on en met un, ça va. Et si on en met un deuxième, ça active le tout. Après, il tombe un peu n'importe où pour l'instant. Mais ça fonctionne. C'est pas du tout optimisé. C'est pas du tout pas très rapide, mais ça fait quand même son office. Donc du coup, maintenant, je peux passer à cette partie-là. Donc, on casse tout. On casse tout. Non. On sent mon désespoir, je crois. C'est vraiment pas ma journée. Hein. Bon, du coup, je crois que je vais vous laisser ici, hein, parce que... Il est temps que j'arrête, apparemment. Vu comme je fais n'importe quoi. Donc, j'espère que l'épisode vous a quand même plu, que vous êtes bien marré en me voyant me planter lamentablement deux fois en un épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like sur la vidéo, ça compensera la rage qui est en train de monter de cette partie désastreuse. Vous pouvez également me laisser un commentaire sur la vidéo. Vous pouvez me suivre sur Facebook si vous voulez, ou sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne. Et moi, j'espère vous retrouver la prochaine fois pour un épisode un peu plus zen, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.